Hey, salut à tous, ici MK4. Oh putain, ça c'est de l'intro. Oh là, donc comme vous voyez en direct, pour ce début d'épisode, vous avez le droit à une mort. Victime En direct. direct, je prends le rec et je me fais démonter. Bon, et ben, on va retourner sur les lieux du crime et voir un peu le tout. J'espère que j'ai pas perdu de stuff par contre. Bon ben, Non, ça ça commence par un gros fail de merde. alors, on recommence ou... Non? Bah non, on la recommence pas, on la garde. Petite séquence épique comme ça. La Oui, en classe. fait, parce que je suis le gars, genre j'ai pas de Quoi? stuff, en fait je suis un gros clochard. T'avais pas qu'à commencer. Oh, tu n'avais qu'à pas commencer tant que je n'étais pas prêt. Attaque Waouh, commençant hey, mais difficile. t'es. Bah attends, mais y'en avait pas qu'un creeper là. Si, on avait qu'un, hein. Putain, C'est de trop littéralement qu'il une a fait grosse mec. merde. Oh non. Ah si, ça. Putain, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais perdu mon arc. On va avoir bouché tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire durant cet épisode? Alors, je vous avais dit que on s'occuperait du spawn. Eh ben, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y aura en Car même temps? j'ai envie qu'on avance un peu sur notre base. Je me suis quand même occupé de pour les villageois, donc j'ai créé le stock. Bah tiens, on va aller voir tout de suite. Donc je me suis occupé du stock des Abondance. villageois. J'ai commencé à farmer de la laine. Parce que pour l'architecture, on va en avoir besoin. Donc Est-ce que voilà, t'as... quelques moutons. C'est pas du tout la seconde ressource qu'il nous faut pour vivre Ouais, avec plus de puissance. attends, non. Quand il va falloir farmer tout le bois qui va Ah ouais, oh. dont on va avoir besoin, ça va être Ça me saoule ça déjà. va être énorme. Ouais, ça me saoule aussi. Ce qui n'empêche que quand j'ai fait la première séance à bûcher là, je fais what? La hache elle a pris cher. Ah, surtout que c'était pas une Unbreaking 3. Elle était Non, que 1. elle a été réparée plusieurs fois en plus. Ah ouais, elle a coûté cher à la fin. Alors, je vous avais montré leur producteur. Bon, là, il tourne au ralenti. Il tourne presque pas, faut leur donner des carottes. Non, mais je vais l'arrêter. On va Non! l'arrêter. Hop. Chômage technique. Non. Ouais, on va l'arrêter. Les métal non. Oh, on en a assez, attends. Oh, c'est bon, on en a 2-3. Non, mais le Plus. truc, c'est qu'il faut d'abord les mettre derrière l'Iron Titan. Waouh, Total. tu t'es pris un coup de poulet. Oh. Franchement, pour le peu qu'on a, je Donc pense que ça voilà. vaut le coup de continuer. Pense qu'on a. Quand même. On en a combien? 52. Environ. Ouais, ici. Environ, hein, si tu veux. Donc ça nous fait beaucoup. Alors, ceux-là, ben, c'est pas moi qui vais m'en occuper, c'est ceux qui iront dans l'Iron Titan. L'Iron Titan sera sûrement fait très haute. Pourquoi? Près Ben, du spawn. ouais, mais au-dessus, en haut. Ouais, parce que c'est chiant et long à faire. Ben, c'est pas que c'est chiant et long à faire, c'est C'est surtout surtout nous. très grand. Après, on va aménager en bas, donc. L'Iron Titan il prêtage dans un village du spawn. Ensuite, Du on coup, va ça parler un fait peu de chez village. nous quand même, maintenant. Ah ouais, chez nous quand même, un Alors, sac beau gosse. on va faire plusieurs choses dans cet épisode. On va pas mal avancer. C'est pour ça que vous n'avez pas eu d'épisode le week-end dernier. Donc, car on va bosser sur ce projet qui va prendre pas mal de temps, mais je vais le faire en un ou deux épisodes. Mais vu que c'est beaucoup de temps de farming, de design en créa, j'ai préféré zapper un week-end, du moins un épisode, et puis en faire un avec beaucoup plus de contenu et beaucoup plus d'avancement. Donc on a ce coin là, donc on a le silo que Raph a fait, qu'on va aller voir tout de Raph suite. a copié.
sur quelqu'un dont on ne On tient pas rajoute, le nom. par contre, on rajoutera les détails, hein, parce que moi Ouais, j'aime parce pas que ça. c'est vrai que ça fait plaisir. Alors, ce silo, ben, il est fonctionnel. Fonctionnel, que c'est bloc-là. Ouais, quand on enlèvera les blocs, pour l'instant j'ai bloqué. Hop. Donc voilà, il y a du stockage, quoi. Et il y en aura peut-être de Du l'autre stockage côté. de masse. Stockage de masse, et il y en aura peut-être de l'autre côté, tiens. Ça passe. Au final, ça prend pas beaucoup de place, on peut en mettre Ouais, on pas peut en mettre trop encore tout. 4. En plus, même sur la hauteur, quoi, ça prend pas de place. Carrément tout pied. Bah après, Deux. vu que c'est vraiment des matériaux qu'on a en masse. Hein. Voilà. Alors, pour cet épisode, donc on va terraformer. Donc, il n'y aura pas de. Par contre, oui, dans l'épisode là, pas de time-lapse. Ça, c'est clair. Oh, pourquoi il veut pas t'amener là, monsieur? Pour éviter les temps de montage trop longs. Il a plus les Parce marges. que je veux vraiment qu'on avance sur le projet. Ça veut pas dire Ouais. que je vais bâcler le bon montage, mais voilà. Un petit peu. Non. Donc, alors, on a le silo là. Ici, on va faire un petit village. Quartier pauvre. Un petit village pauvre, ouais. Donc, on va raser tout ça, on va aplanir un peu, on va retailler certains coins, on va bien éclairer. On va retailler un peu la montagne Parce qu'en parce fait, qu'elle est encore un dans peu. ce village, on mettra les villageois qu'on aura bloqués pendant les trades. Genre, où on pourra vraiment plus trade avec, hop, on les met dedans. Les villageois périmés. Voilà, en gros. Hop. Donc, on va faire ça et puis on se retrouve plus tard. Donc à tout de suite. Salut. Ciao ciao. Et on se retrouve donc quelques jours plus tard. On a avancé plus ou moins. Alors, on a commencé quelques maisons. Je sais pas si on va faire beaucoup parce que c'est vraiment un petit village. J'ai pas envie de passer trop de temps sur le village. Sur le village en lui-même, préfère passer plus de temps sur la ville et tout ce qu'il y aura autour, donc ce qu'il y aura d'un peu plus massif. Donc j'ai retaillé ça, j'ai fait un petit lac, on a refait ça, on a fait un début de chemin, donc pattern classique, mais vraiment un peu plus pauvre, hein, vous voyez, c'est moins riche en matériaux. Ça sent que c'est plus pro. Ouais, c'est pour. Hein. On a notre silo. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a en terre dans le silo? Je sais pas. Ah oui, j'ai oublié de remettre dans le silo quand j'étais Donc on quand a ça quand virait la même de la montagne. terre dans le silo. On remplira ces silos complètement. Comme ça, on est tranquille pendant un moment. Et je pense que je vais plus tard rajouter des silos, mais de l'autre côté, derrière. Genre de la stone brick. Des blocs qu'on sort assez souvent. Le bois aussi, il faut qu'on en farme masse. Donc, on fera peut-être une usine à bois. Parce qu'on j'aimerais bien remplir plein de choses. La muraille, donc terminée. Pas mal, hein. Donc Pour les là, c'est monstres de vraiment la loin. séparation village-ville. Richesse, pauvreté, en gros. Ça chien de la ville. Beaucoup fait à l'époque. Donc ensuite qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Alors j'ai dit que je finirais le village, mais je sais pas si je le finirais vraiment à cet épisode-là parce que c'est chiant, c'est chiant surtout parce qu'on veut faire des fois on tombe en panne de nourriture parce qu'on a d'usine à poulet, mais après ce qui est arrivé j'ai pas trop envie de la rebooster finalement. Du coup, Ouais, l'arbre sera pas je m'occupe un peu des vaches, de l'agriculture. Donc, là bas. J'attendrai qu'aujourd'hui on a modifié on a modifié l'usine à Jean-Michel. carottes. Ouais. L'usine à carottes s'est transformée en usine à patates. Donc, Jean-Michel, notre esclave, travaille. On a déjà récupéré des pommes de terre et puis, franchement, il en produit assez vite. Ouais, il est pas mal. Derrière, donc là, on aura le four. On a testé un design, mais c'est bon. Là, Mais ça a l'air de s'allumer donc.
C'est une bête machine qui bonne mille, donc on renomme le villageois. hop, voilà, donc bête machine. Voilà, je vais mettre les patates là, hop. On doit avoir un cléric qui se promène assez souvent. Normalement, il y a une vache dans le coin. Ah, mais je crois qu'elle s'est barrée déjà. La Russie a Qu'est-ce qu'elle veut disparu. là-dedans? Ah, je crois, hein. J'ai peur. Elle m'a l'air disparue, cette vache. Où est la vache? Oh non! Non. Marguerite! Ah bah elle est là. Elle a pas eu le temps de rentrer. Je vais essayer de la mettre dans la machine. Ah oui, parce que j'ai un bug avec cette machine de glitch à cause du piston. Du coup, ça m'embête, quoi. À chaque fois, en fait, quand je reproduis, j'en reproduis 2-3 fois les vaches. Et au bout d'un moment, bah, je sais pas, mais les petits à cause du piston là. Quand ce Ça piston fait un se glitch quoi. rétracte, bah, il glitch et il suffoque. Et sort en général. Et c'est C'est assez con de. chiant, du coup, je vais revoir le système. Je vais peut-être mettre un stack bloc et puis je vais mettre des fours autour. Un truc moins chiant quoi. Ouais, comme ça au moins ils glitcheront pas dans des blocs et ni dans le slime bloc. On la met en direct si on y arrive. Parce qu'elle a l'air chiant. Non, t'es sérieuse là? Elle est sérieuse la vache là qu'elle veut pas rentrer? Non, mais. C'est une petite méchante, c'est tout. Toi, tu vas rentrer, sinon tu vas mourir. Coucou Candide des Bois. Bon, bah, je crois qu'elle a choisi la mort. Je crois qu'elle a choisi la mort. Si tu ne rentres pas, tu meurs. Bon bah elle est Bon, bah, morte. au lieu de mourir un peu plus tard, tu meurs maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Salut. Hey. Donc, voilà, on va les nourrir et puis on va faire une petite ellipse et on va se retrouver chez Sensei. À la Batmobile! Donc à tout de Non. suite. Et on se retrouve donc chez Sensei qui a pas mal avancé. Il a avancé sur son île. Je vous mettrai peut-être, vous verrez le lien de sa vidéo si je fais mon boulot. Normalement, oui. Maintenant, je fais attention, je fais mon boulot. Donc on avait retravaillé avec lui son île. On avait rendu un peu mieux, on avait contrasté avec. J'ai donné l'idée de contraster avec un peu de charbon. Donc ce qui a été fait, donc c'était plutôt cool. Je lui avais filé des minerais de charbon. Donc ça rend plutôt bien. Et je crois qu'il y en aura plusieurs et il va s'étendre un peu comme ça sur la plaine. Mais je vous invite à regarder sa chaîne. Je lui ai refait son arbre, mais je suis encore dessus de temps en temps quand je vois, je rajoute du détail. Mais je lui ai refait son arbre, j'ai rendu un peu mieux. Le problème de son arbre, c'est qu'avant on avait l'impression qu'il s'est pris un coup de vent, tout était dirigé d'un côté. Donc j'ai refait son arbre, puis de temps en temps, ben, je m'en occupe. Alors voilà, je lui ai mis un petit panneau, s'il remarque, mais je pense qu'il peut que remarquer. Donc voilà, donc on va se Là, retrouver d'accord. chez nous. Voilà. On se retrouve chez nous et puis on va voir ce qu'on va faire. Donc à tout de suite. Et on se retrouve donc après ce petit passage chez Sensei. Donc je ne sais pas si je vais finir ce village pendant cet épisode parce que avec les problèmes qu'on avait eu et tout avec le serveur et OMG, j'ai perdu pas mal de temps. Du coup, ce sera un petit épisode très court, très peu de contenu finalement par rapport à ce que j'espérais. Au moins un épisode. Mais pour le prochain épisode, il y aura beaucoup plus de travail. Beaucoup, beaucoup plus. Si nous n'avons pas de soucis, mais je ne pense pas. Donc on va J'espère pouvoir pas. avancer, au moins attaquer des gros chantiers. Si tout va bien, gros chantier en vue. Donc les amis, on se retrouve la prochaine fois, donc je vous dis à la prochaine.
Ciao. Salut.